Hello à tous, coucou et bienvenue. Donc là, je fais un petit flash pleine lune. Alors le message avant de tirer les cartes, vraiment, vraiment, c'était vraiment tenez-vous droit. Il y a beaucoup d'énergie qui descend, beaucoup, beaucoup d'énergie qui descend là, dont vous êtes du coup des petites antennes. N'oubliez pas ça. On se tient, enfin du coup, voilà, vous êtes vraiment pas des poteaux, mais vous êtes droit. Si vous avez pour certains la facilité de méditer ou de visualiser, et ben fermez vos yeux et voyez un peu comme cette colonne de lumière qui descend par votre chakra du coup coronal et qui vient parcourir votre corps comme ça. Et c'est très très important de laisser parcourir cette énergie, cette énergie, cette colonne par votre chakra racine et aller tout droit en bas, et même le chakra des pieds, tout ça, hein, comme vous visualisez comme vous avez envie, mais redescendre au niveau de la terre. D'accord? Donc il y a beaucoup d'énergie qui descend. On va voir un peu. Des choses visiblement qui nous viennent là comme ça. Donc je vais faire un petit tirage flash avec la triade uniquement. On va chercher quelques cartes. Ok, c'est décidé comme ça. Qu'est-ce que ça travaille? Qu'est-ce que ça vous apporte? Vous allez en faire quoi? Et la perspective de tout ça. Alors, ça travaille sur quoi? Cette pleine lune. Ça travaille sur des blessures, ça travaille sur le fait de, vous voyez, quand je vous dis redressez-vous, ça travaille sur le fait qu'il y a des choses qui vous font mal. Il y a des blessures d'abandon, il y a de la tristesse, on a du mal à respirer, il y a des choses qui nous rendent mal. Donc on peut sentir que cette énergie vient travailler là-dessus pour sans doute vous emmener à vous redresser comme ça, hein. Pour certains, voilà, ça vient travailler sur le fait de s'apitoyer sur son sort. On a du mal à le verbaliser, hein. Le fait de se laisser aller, de se laisser traîner, de subir les choses, d'attendre que ça passe et de se dessécher sur place, quoi. Bon, désolé, ça sort comme ça, hein. Ok, ceux qui me connaissent le savent, voilà, ça sort comme ça. Alors, ça vous apporte quoi? Cette énergie qui descend là. Le pardon, c'est magnifique. Il y en a qui sont restés bloqués sur je suis une victime de la vie, de quelqu'un, d'une situation, de je. Et de moi-même. Et de moi-même. Hein. Bouh là là, l'autoflagellation, elle a bon dos là-dedans aussi. Voilà, c'est vraiment ça. Et là, on vous fait descendre une énergie, une grosse colonne. Alors, si vous avez envie de réceptionner, soyez dans l'accueil. Pour éviter toute résistance, soyez dans l'accueil. Ça peut être un peu punchy comme ça. Le plus important, ancrez-vous. Visualisez que ça descend vraiment. Et vous allez pouvoir être baigné par cette énergie de pardon. Ça va vraiment vous purifier comme ça de l'intérieur. Donc, si vous avez, vous, des outils pour accompagner ce travail, bah, faites-le. Méditation, parler à haute voix à la personne, vous parler à haute voix, invoquer toutes les aides que vous voulez, si vous voulez. Voilà, on est dans des choses comme ça. Vous allez en faire quoi de cette énergie, les cocos? Vous allez purifier des karmas, du transgénérationnel, des relations, de la famille, tout ce que vous voulez. Mais là, vous allez aller puiser très loin en vous pour déboucher les tuyaux. C'est pas très. On aurait pu m'envoyer une image un peu plus glorieuse. Donc, ça, c'est plutôt cool. Magnifique ce qui se passe. Il y a un énorme travail avec cette pleine lune-là. Magique. Perspective. On boucle les dossiers, les cocos. Pour ceux qui ne m'entendent pas parce que mes AirPods ne fonctionnent pas, je pense que j'ai parlé suffisamment fort. On est en train de clôturer des dossiers où on s'apitoyait, où c'était la lutte, où on perdait de l'énergie, où on était en permanence en train de se... Voilà, je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça, cette personne est trop dure avec moi, ou je sais pas, ou ça va pas, je vais jamais y arriver, tatati tatata. Et ben ça, on vous le fait descendre comme ça.
pardonne-toi, purifie ton karma. Ça t'aide, on est en train de t'aider. Si t'es OK, ça va bouger. Si t'es OK, si t'es partant pour faire pour réceptionner cette énergie, ancre-toi et sois dans l'ouverture et sois bien droit et en réceptacle de cette énergie et regarde un peu. Clôturer des karmas, purifier des karmas, ça ne veut pas dire que les gens avec qui vous clôturez vos karmas, vous bouclez des karmas, enfin vous purifiez des karmas, vont s'éjecter de votre vie. Non, ils n'auront plus la même place. Il n'y aura plus cette lutte. Il n'y aura plus de difficultés ou de fight ou de bataille ou de choses comme ça. Les relations se purifient. Si c'est toxique, et je dis bien si c'est toxique, ça s'en va. Si c'était de la toxicité et que la relation n'était pas toxique, ça s'améliore. Donc, libre à vous de faire ce travail. C'était punchy, c'est voulu, ça se voit, c'est dense. Et franchement, c'est simple, hein. 4 cartes, un dos de deck. Je trouve que tout est très cohérent. Si ça vous parle, tant mieux. Pour certains, ça bosse. Soyez dans l'accueil, accompagnez ce travail comme vous le voulez, comme vous le pouvez, avec les outils que vous avez. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous. À très vite.